Oh! C'était là? Eh, hey, c'est un casque! C'est pas de la merde après tout! Casque de pirate! Oh! Eh ben, toi, mon vieux, tu vas être aux petits oignons, hein! Ouais, en l'occurrence, je suis dans le sous parce que. Oh! Papa! Tu as un trop petit crâne, et toi aussi! Eh hey, merde! Bon bah, Justin! À toi le pirate! Et quoi là-bas aussi? Ça te finit la progression? Absolument rien! Ok, et bah ça valait le coup! Direction le boss! Bien, à présent cette zone, elle est terminée! Plus que se taper! Le combat final pour mettre un terme à cette douche froide que les gens de ce pays subissent depuis bien trop longtemps! On sort tous faire qu'on se prolonger sur Grandia pour faire ce que je dis un peu plus avant! Grimpons l'échelle de la survie! Et espérons que ce combat se fasse passer sans aucun souci! Valeur chef! On ne comprend absolument rien, mais tu vas crever juste parce que. Et tu m'aides pas? Non, juste pour info. Oui, c'est vrai. Pas l'air content. Quel pouvoir a-t-il me lancer? Cette lumière. What the? Quelle puissance! Tu as raison. Vainc contre la créature. Pas de si terrible. Une sorte de chimère Léviathan. Tu te fous de ma gueule? C'est loin d'être serpent. Ok, ce combat peut être assez tendu pour différentes choses. Il y a 4 putains de gueules et son gros corps dégueulasse. Têtes sont chiantes, chacune a une propriété élémentaire différente. Donc, pouvez vaincre le feu par l'eau et vice versa. Laquelle a le moins de points de vie? Il y en a une qui soigne. Brûlante. Mec. Quoi, mec? Je ne sais plus laquelle soigne, ce qui est chiant. En l'occurrence, on va juste taper dans le tas et espérer que tout se passe bien. Rien voir. Je pense que le bon choc fera des dégâts sur tout le monde, qui va être plutôt correct. Faisons-le. Je finis avec bourriner avec le fouet de feu. Le fouet qui brûle. Le corps et l'âme. Let's go, Justin! Oh, ça pique! Quelle puissance! Et que des dégâts? Gaz brûlant! Oh, Fina! Tu crames! Oh, Gadwin aussi! Gadwin, serpent, dragon, c'est la même chose! Envoie-lui ta grosse attaque! Assez vulnérable, tir groupé fera des dégâts sur toutes les têtes. Vas-y, Sou! Headshot! Come, powers of the universe! Détruis! Inflige 9999 points de dégâts, tu peux le faire! God damn it! On a eu 3 crânes, ce qui est relativement correct. Onde de choc, fais ton boulot. Here goes. All right. Big win for us. Ce boss est faible. Non, je suis juste trop bien préparé, trop bien équipé. Et mes points sont mis correctement, donc j'ai aucun souci. Mais il peut vous faire relativement chier parfois. Donc là, il me lance qu'une attaque de feu. Descends. Parfois, il y a quand même bien pire. Bref. C'est cool. J'ai eu plein de points pour pas grand chose. Le roi est mort. Vive le roi. Oui, c'est vrai. Oh. Tu as une tête bizarre. Ouais. Ça veut dire quoi? Vraiment? C'est pas un guerrier alors? D'accord, oui, mais dans quel intérêt? Pourquoi? Où est-ce que c'est? Ce gros bouton là? J'imagine.
J'ai pas confiance. Sans l'or, aurait-il un truc à voir avec ce que Fina avait dit? C'est-à-dire sa peur? On sait pas. Nous le saurons en tout cas uniquement en allant en haut. Téléporteur, la magie du futur, maintenant dans nos mains. Allons-y, Ratekbo. Décalage en avant, là. Ouais, plutôt bizarre. Où est-ce que je vais là-dedans aussi? Salle du destin. Qui vais-je voir, Torm? C'est toi? Cette musique et cette pierre par terre vont dire que tout ira bien. Oui, assurément, sûr. Une gravée sur l'échelle. De quoi il s'agit? Ouais. Et un hanche et une tablette. Tout se termine. Je m'en fous du héros, je veux juste putain de tablette de merde. Je ne comprends pas. C'est ce que je voulais faire. Allons pas au milieu, pendant un obscur, j'ai pas confiance. Il se barre, pourquoi? Qu'est-ce qu'a dit Gadwin? Lequel choisir? Oh, tu... J'ai une chance sur deux. Pourquoi? Mais si tu te plantes? Ouais. Oh, d'où l'intérêt qu'il a dit qu'il a fait deux héros pour prendre la lance. Maintenant ça a un sens, je me disais que la lance était trop lourde à porter, mais ce mec se faisait en balèze pour tuer un dragon, alors merde, une lance. C'est ce qu'il faut comprendre. Bah oui. En même temps, il a pas tort. Et ton boulot, Gadwin, on le sait tous, malheureusement. Il va essayer, c'est un type bien. Tu as raison. Fonce! Ouais, Luna, t'encourage! Vas-y, Luna! Non, pas adieu. À tout à l'heure, Gadwin. Qu'est-ce que... Ce gros sac, il passe pas. C'est stupide. Ouais. Hein? Moi? Mais t'as dit que... Vraiment? Fina, ton instinct. Qu'est-ce qu'il te dit? Que dois-je choisir? Ce gros sac passe pas. C'est toi la lune. La lune? Quoi? C'est pas le bon? C'est pas faux. Je n'en sais rien, parce que c'est scripté, j'ai pas le choix, merde. Non mais... Si nous sommes vainqueurs, nous serons des héros. C'est très risqué. Je l'avoue aussi. Non, c'est mon boulot. Ouais. Alors, dis-moi où aller alors! C'est quoi ton instinct? T'avais une prémonition! C'est ça que t'avais peur? C'est sûrement ça.
Ouais. C'est sûrement ça. J'ai foi en toi. Guide-nous, la lumière de Thorn. Un point des esprits? Non. Il faudrait qu'il y en ait deux. Lune ou étoile. Ça va. Tu peux le faire. Au moins, on dira, si je meurs, c'est ta faute. C'est pas mal. C'est bâtard, mais... Fonce. N'aie crainte. C'est moi qui est en première ligne. D'accord. C'est laquelle? Étoile. D'accord. Espérons que c'est la bonne, sinon Gavin sera mort au final, si j'y pense. Et moi aussi. Tu vas mourir, Justin. Ouais, pense. Ouais, on va voir ce qu'on peut. On va voir ce qu'on peut faire de l'autre côté du mur. Ok, bon bah. Allons-y, les amis. On doit revenir un seul morceau. Je suis là. Oui, je sais. N'inquiète pas, on va aller très loin, très très loin dans le monde. Tu as confiance? Alors fonce! Allons-y, le futur est à nous! Futurama! Yep, merci Funa! Nous ne mourrons pas aujourd'hui! Peut-être demain, qui sait? Ça, elle est moche! Ça la lance? C'est un trident, ouais! Cette couleur! Ça peut être. Du rose? Si! Oh! Excellent! C'est facile! Oh! Pas bon ça! La tour s'écroule! Faut se casser! Si on se tire pas, on mourra! Oh merde! Comment sommes-nous censés? Oui, c'était la seule chose possible! Appel d'esprit! Des lucioles! Dis la même chose! C'est Thorn, Justin! T'inquiète pas, tout ira bien. Oui. Je veux revenir. Mention maintenant. Quelques heures. Mais obéis à ton maître! Ah, comme il est puissant, regarde ses musculatures! C'est vrai, c'est un homme, un vrai! Bon, cassez-vous les mômes! Pas que ça a à foutre! Attendez, une dans chaque bras! Ça, c'est un homme! Moi, je pourrais pas le faire, je vais me froisser un muscle! Chut, ne dites pas! Cette tour était moche! Jerk les dehors, Gadwin, qui reste à l'abri. Où est-ce que je suis au fait, moi? La tour s'est évanouie dans la brume. Le maléfice s'est tu. À présent, où suis-je? Il y a eu cette lumière, et des choses sont apparues sous mes yeux. Je ne comprends pas. Ouais.
Non, la lumière ne se partage jamais! Jamais la lumière! Impossible. Alors où est-il? Il a une armure, ça ne marche pas. Qu'est-ce que... Quelle est-ce magie? Justin? What? Are you all right? Are you hurt? Are you kidding? I'm just fine. Wow! Justin, you're like a real hero! That's right. You're just the man I knew you to be. Really? Come on, Gadwin. You're gonna make me get embarrassed. Justin. Fina, how about that? I did it. Aren't you impressed? Oh, prévisible. What? What the heck was that for? Uh-oh. Justin! You fool, I... Look at me. I'm crying. You have no idea how worried I was. Fina. Promise me, Justin. Promise that you'll never, ever worry me like that again. I'm sorry. I promise. I'll never make you cry again. I swear. Justin, you had me really, really worried. Hey! It stopped raining! Look! Look, look, everyone! Over there! It's a rainbow! Rainbow! Ah, tout finit bien. Maintenant la musique pourrie. On a récupéré la lance du héros, il faut se casser, retourner à Aidet sans se faire buter par tout ce qui traîne sur la carte. Quel gentil d'avoir fait ça. Et ouais, j'étais sauvé. Mais par qui au final? C'est qui cette lumière qui est apparue? C'est lié avec ma perte d'esprit, c'est sûr. Mais jusqu'à où? Jusqu'à quand? Quand est-ce que ça va continuer de m'aider? C'est par là, je crois. Hein. Attention, poison! Il pleut plus, mais... Poison est toujours là. Si vous voulez me casser, je dois aller à Dight. Où est ma lampe torche, moi? Il m'a dit que le nord. Le nord est là, maintenant, je crois. Mais, ouais, la forêt. Ils font pas... De demi-tour directement en ville, genre, on a tout récupéré. Allons en ville pour célébrer ça. Non, bah, tout à pied, tout encore et toujours à pinte. C'est pas grave, avec du poison. Mais oui, ça fait mal, hein. Comment je le sens, moi, par ici? Je peux le faire. Non, pas de combat inutile. Je veux rentrer tranquillement chez moi. On évite ce con. Ah, c'est dans ce coin-là. Et là, est ici. Perfecto. Parfaitement parfait. Village de Dai. Ok. Bon. Remettons la lance dans son orifice. Et maintenant, on va savoir. Ça va. À quoi servait? Parce qu'au final, on dit, il faut prendre ça. Mais à quoi calmer les esprits, je crois. Ça, c'est pour calmer les esprits. Je suis pas sûr. Bon, Justin. Passe niveau 6. Non? Et ça y est! Niveau 6! Excellent, Justin! Tu es doué quand tu veux! T'as vu, on a la lance! J'ai tout fait! Ah! Tu es trop modeste! Oui, je suis une légende! Pas comme le film! Et le poulet! C'est moi qui ai tout fait! Connard! Égoïste!
Ah, voilà l'ancien. Ancien moche, c'est ça? Oh, oh. Nous avons réussi. Vraiment? Non, t'as Justin de le faire. Ouais. Praise me. Eh oui, mon vieux, t'embouches un coin. Excellent. J'ai hâte de poser cette perche dans son trou majestueux. Aïe! Ah, fais-le, andouille. Oh, comme ça? D'accord. La musique qui dit que tout va bien. C'est la musique de fin, je crois. On verra ça quand j'aurai terminé. J'ai tout fait tout seul. Et encore un de sauvé, et encore un. C'est vrai, Kazuyin était une force plutôt monstrueuse. Qu'est-ce que c'est? Un livre des dating secrets de Kazuyin. Oui, accepte cette merde. C'est quand même grâce à ça que j'ai réussi à survivre au final. Merci. Ouais, à coup sûr, oui, tu seras mort. C'est pas juste, peut-être, c'est... Il me bat trop bien. C'est... Tu es fou, mon pote. Ouais. Ah. Il brille. Fera de la balle. Et maintenant, moi, je fais quoi, aussi? Kazuyin, moi! Je suis confus. C'est une bonne question. On doit aller où? On doit trouver l'IET maintenant. Quand on est arrivé ici, c'est bien, mais... Où est... Où sont les ruines? Ouais, ça, c'est prévu? Oui, ça qu'on doit voir, nous. C'est pas faux. Les tours jumelles. D'accord. Ça a l'air... mal de mer, moi. Ok, vraiment. La fête, hein. Ouais. Soyons prêts, mais quand? Oh, ici, les montagnes du lama. Moi, je vois pas... Pourquoi? Quelle créature sauvage nous attend? Nous ne sommes plus ça de nous actuellement. Je voudrais qu'on en avait directement une zone particulière. Ok, c'est entraînant en quelque sorte. Oh. Du roller du démon démoniaque. C'est coccinelle, ça? Ouais, pas, hein. Bon. Explorons cette zone. Je ne sais pas où je suis. Pas par là, en tout cas. J'ai vu un piaf aussi. Oh, oh, c'est bizarre. On dirait une remonta volante. En tant que naturel, encore, ça. A gripper. Un aéronef. Il me skill la gueule. Avec quoi? Attaque volante. Tente le meurtre. Ils sont pas très costauds. Je pense que ça peut le faire. Et si on met un sort plus lent à lancer au cas où. Oh, Kazuyin là, c'est Kazuyin, j'ai pas vu mon pote. Ils sont plus costauds que prévu. Est-ce que ça va suffire ça? C'est moins certain.
Ils sont faibles face au vent. Sauf lui, on est obscur. Crève, démon. Hey. What a finch. Dégâts physiques que 53. C'est inhabituel. Le vent peut marcher du coup, mais dégâts physiques, peut-être moins. J'essaierai le feu, voir si ça brûle bien. Justement, ça brûle toujours, mais parfois on sait jamais. Alors, cette zone ne veut rien dire. Il y a aucun chemin à explorer, c'est juste de la putain de plaine. Et les trois démons là, les trois frères. On va leur faire la peau. Un malhonneur. Diable bleu. Parce qu'ils sont faibles. Ils ont pas mal de points de vie actuellement. Gadwin, tue. Ça va l'avoir. Oh, ça va l'avoir, effectivement. Mais celui-ci. Non. Ceux-ci sont pourtant faibles aux dégâts physiques. Plus 100 points à Justin, plus 100 points à Gadwin. C'est plutôt décent, ces créatures sont pas très costauds. Ouais, les points sont plutôt décents pour l'instant. Niveau level up, j'ai atteint mon cap pour l'instant, le reste c'est pas... C'est un extra, un extra. Mourez, vermine. Le feu marche plutôt bien, c'est vraiment spectaculaire à voir, ça fait... Et... tous morts, sauf les diables rouges. Les diables rouges sont... restent en feu, enfin... Il n'y a celui que 80 points de dégâts, contrairement à 50 des autres. Donc, moi je dis que c'est la résistance quand même. Malheureusement, il semble que pour cette zone, il va falloir explorer d'une manière totalement chiante, c'est-à-dire en longueur. Donc, ouais. À moins que ce terrain soit finalement assez fermé et qu'on puisse aller tranquillement. Ou de la thune. Récupérons donc ces précieuses thunes. Combien j'en ai moi? Pas si mal, j'imagine. On fait des efforts, mais est-ce que ça va être assez? Ça, c'est moins certain. Vous avez pris un coup dans la gueule, ça, la petite créature. Est-ce qu'ils vont les? Ils ont pas l'air si féroces. Bien, c'est mon point du milieu, ça. Mon point du milieu, il semblerait que ici, donc, la montagne. Quelque sorte. Cette créature malodorante m'a droppé un objet particulier. C'est quoi? Bac titan. Plus 5 d'attaque. Pourrait servir. Maintenant d'ailleurs. Plutôt avec ça. Ouais, plus puissante de toute manière pour ta magie et compagnie, donc ça peut être que bon. Ça ne peut être que bon. Ok, bon, alors. Point de repère. Montagne. Donc. Dans ce coin-là. Montagne est en bas. Un caillou, ça. Caillou, point de repère. Drôle de colline. Gold. Point de repère. Disparu, sommes perdus. Alors, c'est un beau tas de merde, ok. Est-ce planqué à l'intérieur? Apparemment pas. Je me suis dit, avec du cul, on est à l'intérieur, on est un peu camouflé, et ça passe? Non, mes couilles, ça passe que dalle. Alors, s'il y avait du gold, si de l'autre côté. Ces créatures du bas. Ah, peut-être que. Ouais, montagne est la con encore, hein. De Dieu. Il va falloir encore gravir comme connerie pour avoir attendre encore les trois frères. Inséparable, hein. On commence à être haut déjà. On commence à être haut. Potion de. De pile jaune. Ok. J'aurais dû vendre aussi. Oh. Il y a un pont. Du gold et trois frères et aussi une embuscade avec ces putains de Ramanta. Pas éviter, je suis pas stupide, j'ai les yeux ouverts, je vois ce qui se passe. Vous ne m'aurez pas. Ah, barrez-vous, trois cons.
Allez vous faire mettre. Tiens. Voilà pourquoi on fait demi-tour. Voilà pourquoi on fait demi-tour, pour les thunes. Oh, et pour ça aussi. Vision, help me. Oh. Thunes. Et encore un endroit bizarre, où aller? Oh, attention à toi. Attention à toi. On se dirige vers où, là? Le milieu, là où il y a des fleurs. Il y a les rollers. Je n'ai pas été là, moi. Ah, chiant. En fait, si, son rage, je m'en souviens. Je m'en souviens. Donc, si là-bas, c'est bien un cul-de-sac, on va prendre une espèce de pont naturel qui surplombe la colline. Yep, saloperie. J'ai eu chaud à mon cul, mais il y a un trésor à la clé, alors je vous dis que faire ce combat, il valait plutôt le coup. Kizaku, c'est quoi ça? On ne connaît pas. Oh, ok. Pas convaincu. Mais si y en a qui utilisent beaucoup de magie, ça peut servir si ça fonctionne. Je crois que ça fonctionne à tous les coups, ce qui serait bien, mais c'est vraiment le cas. Ça, c'est moins. Salaud, je savais que t'allais arriver. Il semblerait que par là, ce soit la sortie, ce qui me dit que le côté, un raccourci, un chemin plus long, un objet. Et toi, faut pas faire tous les demi-tours sans apprécier, moi. Non, juste un coin pour faire ça. Hein. Ce pont est effrayant, mais pas plus effrayant que mater à un miroir à l'aveugle et avoir une chance sur deux de survivre. Une chance sur deux, c'est plutôt limité. Allons-y. Est-ce qu'il y a un niveau 2 dans la zone? J'espère que non. Le sud. Pas le sud. Pas le sud. Plus de merde alors. Il n'est pas encore arrivé à Gambo. Hein. Et pourtant la ville. J'aime bien la ville. Oh. Y'a une. Point de sauvegarde. Repos. Campement. Ouais, soit un boss, soit un campement, généralement, donc soyez prévenu. Oui, tu es fatigué, rien à foutre, hein. Ouais, histoire de nous laisser un peu tous les deux, c'est ça? Oui. Ce gars, oui, quand même, c'est un gars merveilleux, il est bien intentionné. Comment as-tu devenu tueur dragon, Gadwin? Ah, bon bah. C'est quoi cette tour jumelle? C'est dangereux? À l'ouest? Oh, pas bon ça! D'accord. Un bateau? Ok. Oui. Ça va. C'est quoi ce village? J'en ai un cul chaleureux. Ça va pas être bon signe. Un volcan. D'accord. Ok. Intéressant. Pas mal d'autres choses alors. C'est quoi ces festivals à la con? Sacrifice? J'espère pas. Ouais. Troisième repas. Putain, j'en ai qu'un par jour moi. Et merde. Nous faut la diète, l'ordre. Vraiment. Je suis pas trop un fêtard, moi. On a mangé quoi, en fait, nous? Bonne question. Ouais. Quoi de neuf, du coup? Ouais. Ça, c'est la vraie aventure, ça. Je viens de le dire, bordel. C'est fini? Ouais, le bonheur, ça n'existe pas. Ça va cacher un truc. En fait, Gadwin, où est ta putain de tente, toi? Que dans la mienne, tu rentres pas. Ouais. Réassumé. Menasan. C'est le matin, debout. Allons. Tuer? Peut-être pas.
Non, nous ne sommes plus une épargne, nous sommes engagés depuis très longtemps. Ouais, ne sera jamais, jamais. Impossible, effectivement. Oh, affaire privée, hein. Espérons que ton père ne comprend pas, sinon tu pourrais... Ouais. Être dans la merde. Ouais. C'est pas faux aussi. Ok. C'est ce que je fais aussi, moi. Vers l'est. Oh, on pourrait se retrouver sur les mêmes ruines actuellement, si on n'a pas de bol, vraiment. Ce serait une drôle de coïncidence. Une marche forcée. Oh putain, j'ai horreur de ça quand j'ai eu droit. Oh là là, oh mon dieu, je suis encore mal au pied d'ailleurs. Quoi. Incroyable. Ok, ruine de l'est. Et à l'est, c'est derrière le mur. Prenons les sous au moins. On va faire la ramasser avant de camper, mais on ne peut pas, donc un peu dommage. Continuons. Fuck la sauvegarde. Prenons cette chose qui est totalement inoffensive. Pas convaincu, hein. Non. Alors. On a quoi ici? Cette créature pourrie. Un labyrinthe de trucs à la con. Extraordinaire. Prenons l'argent. L'argent, c'est bien. Pourquoi vous dansez, moron? C'est un piège. Quoi, Guao? Ils doivent garder un truc, ces cons. Ils sont tellement nombreux. What the... Non. Jamais. Oh, elle m'a eu. Bah alors. Tu viens, connard? Il n'a pas vraiment envie. Et pourtant, il a flingué tout le monde. À part ces cons qui viennent d'une raison obscure d'apparaître sous mes yeux. Prenons les thunes. Et déjà ça. Ok. Il y a un truc par là. C'est isolé. Ça peut être un endroit intéressant à voir. Peut-être. Ce sera le cas. C'est moins sûr. Ok. Je prends par ici. Également, la thune par là. Prends les sous. Deviens plus fort. Deviens plus puissant. Alors. Ok, c'est ce genre de niveau, il faut un truc à droite et à gauche sans savoir vraiment où vous allez arriver. Peut-on éviter ce combat inutile et insensé? Je veux juste l'argent. Pas vos crânes de merde. Pas besoin, je prends Predator, moi. Saloperie, j'en étais sûr. Tu es où? Défends le trésor, hein! C'est à moi, petite saloperie! Non, mais dis donc! Ce beau coffre est à moi! J'ai intérêt à être bien! Je sais pas c'est quoi, mais ça peut être intéressant! J'ai intérêt! Va chier sinon! Va chier! Non, troque pas! Échange! Oh! Ok! Qui ici lance des spells? Fina? Un peu tout le monde! Tu as quoi toi? Résistance peste? Tes sorts sont lents à lancer! Équipe-le pour l'instant, peut-être je pourrais changer mais... On va regarder des bonnes stats générales! Ouais... Pas une jambe dessus hein! Ok, y'a rien ici. On part de la thune. Celui-ci marche un peu mal, celui-là. Pas parfait. Y'a une plante là-bas. Et ça, c'est également la sortie, ce qui est vraiment bon signe avec les trois frères, bien sûr. Toujours les trois frères.
Ouais, j'aurais dû collard, tout genre, on serait pas de toute manière. Elle va faire chier maintenant. Fuck les plantes. Ça m'a l'air que c'est la fin. Est-ce que je refais un tour? Je vais refaire un tour de mon côté pour voir si j'ai raté un truc ou pas. Je reviens, ne bougez pas. Oh, 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 oh. Qu'est-ce que c'est que ça? Serait-ce une épée? Tueur dragon. Aurais-je pu rater ça? 26. Efficace contre dragon. Il n'y a pas de dragon pour l'instant, mais si j'en vois, ça pourrait servir. Au moins, Ganon peut l'apprendre. Donc, c'est pas une grande perte. C'est pas une grande perte. Voyons s'il reste autre chose à observer. Non. Sur le reste qu'il est resté, il y en a une pour ramener directement à l'embranchement ici, pour pouvoir directement atteindre la sortie, ce qui est rapide. Et l'autre, c'était juste un assalé avec un cul-de-sac. Donc, totalement inutile. Après ça... Ouh, putain! Imaginez-vous, là, on a juste fait en aller vite fait. Au final, on a quand même exploré tout ça, c'est plutôt gigantesque. Allons au village de Gumbo, le village où il fait bon, où la joie se répand comme la peste. Je n'aime pas les gens heureux, je déteste. Mais ouais, c'est plutôt un village plutôt sympathique et je l'aime beaucoup pour différentes raisons. Mais on verra ça au fur et à mesure. Oh oui, je m'en souviens, j'ai des souvenirs qui reviennent, ils affluent et... Oh, il y a un bateau ici, je pourrais m'en servir. Même s'il est moche. Le village est grand, très grand, mais bon. Que de souvenirs de revenir ici, que de souvenirs. Allons-y les enfants, hey. Ouais, oui, oui. C'est romantique. C'est vrai. J'ai pas encore envie de sauver un village. Y'a plein le cul. Ouais. D'accord. Achoum. Ouais. Ouais, avant de trouver le passeur divin, il faudrait peut-être d'abord voir un peu ce qu'on peut faire dans cette zone. Oh, c'est quoi ça? Un magasin de striptease? Mais non, on va pas. Comment on rentre là-dedans? Je veux acheter vos merdes. Oh, j'ai pas le temps de passer, j'ai pas eu le temps de voir où on était. C'est le marchand. Ok, achetons ta merde. Un couteau. Inutile. Une masse. Pas intéressant. Une hache moins bien. C'est de la merde, Gumbo. Où sont mes souvenirs? Où est ma jeunesse? Ils me l'ont volé. Gilet dragon, 14. Anti-feu. Ok. Inutile. Oh. Pas dégueulasse. Le bouclier magique. Incroyable, x4. Il restera attaque normale. Je sais pas c'est quoi, peut-être que si je prends un coup de base, je ne suis pas stun. Par contre ça coûte cher quand même, bouclé magique, mes couilles hein. Ouais, on verra ça. Comment ça va toi? Tu dors? Ouais, au boulot mon frayon. Ok, les courses sont faites. Trouvons un point de sauvegarde pour... enregistré, je sens que tout aille bien. Si c'est à gauche, l'autre est forcément à droite. Ça m'a l'air assez logique, mais ces bâtiments sont tout derrière. Eh, sans moi ici. On va voir un peu comment on se passe. Comment ce monsieur dormait, ce qui est plutôt bizarre. Brave homme, à poil, enregistre. Peur de quoi? Non, je vais enregistrer. Trou du cul. À présent, trouvons un bateau. Il nous faut un passeur pour pouvoir... Elle est à destination. Où est-ce qu'on trouvait ça? Je pense au bord de la flotte. Non, pas celle-ci. La vraie flotte. C'est l'entrée, ça? Ouais.
Voilà, s'il fait froid, on va y aller au bain, vraiment. D'accord. C'est sûr. Non, absolument pas. C'est vrai. C'est pas faux. Monsieur. Ah, c'est gros, on peut pas l'atteindre. Toi, là. Oui, c'est vrai. Mais... Ouais. Oui, bien sûr. Tu crois? Je sais que c'est bizarre, c'est étrange. Du coup, ouais, ça va être la merde. Trouvons d'autres gens. Des gens intéressants. Toi, le pygmée avec une sale gueule. Un instant de moustique plutôt. Ouais. Ah bon? Ils ont pas de femmes, c'est ça? Un drôle de maladie. Trouvons un bateau. On va aller au port, enfin. Ok. Toi là, qui branle rien. Maison du chef. Ok. On trouve des infos. On va choper Dana. Tante, tu chef de village. Ouais. Ok, allons voir directement. Généralement, faut toujours aller au chef. De toute manière, pour une raison obscure, les chefs sont le gourou du village. Maison 3. C'est pas ici le chef. Maison 1. Maison 2. Maison 2. Salle à manger. Non. Sûrement celle-ci. On rentre par. Peut-être. Pas sûr. Allons voir. C'est vide, c'est désert. Ce village pue du fion. Où est ma jeunesse? Rendez-la moi. Nous l'ont volé, précieux. Et toi, le chef? T'as l'air un peu vieux. Tu es vieux. C'est dégueulasse! Tout le monde s'en fout! Bon, trouvons le baraque du chef, quoi. C'est forcément un truc que t'as pas l'œil. Lequel? Non. On est bloqué, on est limité à la route. Comment ça se fait? Allons ici alors. Bloqué par un étrange mur. Je suis confus. Aide-moi. Oui. Il y a une sorcière. Vas-y, amuse-toi. Ouais, bien sûr. Ouais, charlatan. C'est gratuit, mais... Doju. Salle à manger. Est-ce que j'ai vu l'autre truc, moi? Nulle part, hein. Là, peut-être. Oh, c'est ici. Maison 4. Maison du chef. Allons, là. Ah, c'est du côté. Yep. Sois là. T'as une tête bizarre. Tu es un passage important. Tu es le mec qui... ne pêche pas, c'est ça? Arrête de chialer, ouais. Allons voir le chef. Au moins lui saura quoi faire. Il est qu'à désespérer. Ouh, jolie nana. Ouais, tu es amoureuse, d'accord. Il se dort, c'est sûrement lui d'ailleurs. Bon. Hein? Qu'est-ce que...
Tu es fou, vieil homme! Oui, non, c'est pas toi, c'est Fina. Ouais, l'autre. C'est un peu ça. Mais bien sûr, qu'est-ce que tu me racontes? Excellent, un titre! Mais si... Ouais, tiens. C'est pas drôle, Fina. La bouffe? Allons manger? Taka? Non. Ouais, c'est toi qui vas tuer. Ouais. Comment ils peuvent danser ces gens? Ils sont déjà bourrés avant de commencer. Tuez-le. Souvenirs! Les souvenirs sont revenus! Ah. Non! Non, non, ouais. Ok! Parfait! Mais qu'est-ce que tu veux? Ah, c'est si important pour nous! On se voit la prochaine fois! Merci d'avoir suivi la prochaine et je vous souhaite une bonne journée, Gumbo!